par où commencer. La ville de Mexico est rapidement devenue une énorme métropole de 7 millions d'habitants. C'est le centre de la vie politique, culturelle et économique du pays. Mexico est toujours la ville des palais admirée par Humboldt, mais c'est aussi la ville des déracinés qui vivent dans les censures d'émissaires, dans les bidonvilles. Et à la campagne, l'immense majorité des paysans subit l'échec d'une réforme agraire détournée de son but. Dans les régions les plus pauvres, les tensions sociales s'aggravent. L'assassinat du dirigeant paysan Rubén Jaramillo et de toute sa famille en 1962 n'est qu'un exemple, entre beaucoup d'autres, de la réponse que donne le gouvernement aux problèmes agraires. Acculé à la mort ou à la prison, les paysans abandonnent les terres et va se vendre aux États-Unis ou dans les villes. Le contrôle absolu des syndicats est fondamental pour la continuité de l'appareil d'État et pour préserver les intérêts des investisseurs étrangers, en particulier nord-américains. C'est la raison pour laquelle le gouvernement impose aux travailleurs des leaders syndicaux à sa dévotion. À partir de 1957, commença une série de mouvements ouvriers pour obtenir l'indépendance syndicale. Le régime répondit aux revendications par son appareil répressif. Les camps militaires se transformèrent alors en camps de concentration pour des milliers d'instituteurs et des cheminots dans tout le pays. Leur leader, Otón Salazar, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, entre autres, vinrent grossir le nombre de prisonniers politiques dans cette même prison préventive de la ville de Mexico. Entre 1958 et 1968, les étudiants réagirent au moment critique du Mexique. Les mouvements étudiants, en dépit de leur inefficacité, reflétaient constamment l'inquiétude du pays.